Et salut tout le monde, c'est Ximoz, aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau case opening sur CSGO. Alors il y a deux vidéos CSGO de ça, je vous ai demandé si vous pouvez m'envoyer vos skins de merde pour que je fasse des contrats d'échange. Le principe il était simple, c'est que je ramasse tous vos skins de merde, que je ramasse les skins que je gagne en game, les skins des case opening et d'autres skins que j'achète à part, que je fusionne tout ce paquet de merde pour faire un skin rouge. C'était ça le deal. Mais le problème, je crois que j'ai été un peu trop ambitieux, en tout cas pour l'instant, c'est que j'ai vraiment pas du tout assez de skins pour faire des contrats d'échange jusqu'à avoir une arme rouge tout simplement. Les gens qui ont donné des skins dans ma dernière vidéo CSGO m'ont pas donné assez de skins et surtout m'ont donné des skins trop merdiques. Du coup je pourrais faire gagner qu'une arme rose à l'une des personnes qui m'ont envoyé ces skins. Donc faisons un petit récap. Donc depuis la sortie de la vidéo, il y a Champoli qui m'a donné encore masse de skins là, les petits skins de merde. Je remercie énormément ce mec parce que à chaque fois il est là pour moi, il like toutes les vidéos, je le vois sur Twitter, il commente pratiquement tout, il regarde vraiment tout, donc je le remercie mec, t'es un gars en or. Donc voilà, toujours là, il m'a donné tous ses skins. Juste au-dessus, on a Reboot qui m'a donné, bon lui c'est un peu la foire à la saucisse, il m'a tout donné, hein. Il m'a donné des caisses de gants, des outils de permutation StatTrak, il m'a pris pour une poubelle le mec. En vrai c'est les skins que je veux principalement parce que c'est pour les contrats d'échange. Et en contrat d'échange on peut pas mettre des caisses ou des outils permutation StatTrak tout simplement. Mais je les remercie quand même. Talcado m'a aussi envoyé ses petits skins. Juste au-dessus on a encore Champoli qui a encore envoyé ses skins. C'est un taré ces mecs, ils m'ont encore envoyé plein de skins. Ah ah. Alors là, il faut que je vous explique un truc. Tous ces skins là, là, ces trois échanges, c'est les skins que j'ai gagnés durant le précédent case opening. Vous savez, sur OpenCSGO là. Et là vous vous dites, mais pourquoi j'ai ce Gutknife Lore alors que je l'ai pas du tout gagné dans la dernière vidéo? C'est tout simplement parce que j'ai un truc que j'ai pas compris dans le partenariat. C'est qu'il fallait retirer 100$ pile de skins. Et moi j'avais pas compris ça au début. Donc du coup quand j'ai vendu tout le reste des skins que j'aimais pas et que j'ai gardé 100$, je me suis dit que les cuts Boreal Forest et tout, je m'en foutais complètement. Moi je voulais un cut qui se rapprochait le plus possible de 100$ pour qu'il soit le plus beau quoi. Voilà tout simplement. Enfin je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Parce qu'un cut Boreal Forest plus 2-3 skins de merde, ça me donnait pas trop envie de refaire un case opening. Bref du coup en vidéo pendant une bonne heure j'ai farmé les caisses, j'ai tout revendu, j'ai refarmé, j'ai tout revendu. Et là sur une caisse à 2,50$, j'ai le Gutknife Lore à 91$. Ah les gars, mais j'étais complètement refait. Donc du coup, après, pour arriver comme un crevard pile au 100$, j'ai pris tous ces petits skins de merde. Et juste après, les gars, il y a Spalizo qui s'est fait un petit kiff. Il m'a envoyé tous ses petits MP7 en testé sur le terrain. Il s'est fait un kiff, le mec, au calme. Donc voilà mon inventaire, les potes. On se retrouve avec masse de skins de merde, les skins des frérots, etc. Et on va commencer par ouvrir les caisses. Alors aujourd'hui, pour ces 5 caisses, j'ai acheté 5 clés différentes. Une clé gamma, une hydra, une saturation numéro 3, une wildfire et une caisse de gants. Que diriez-vous d'ouvrir les nouvelles caisses? La caisse Hydra, moi je suis chaud. Alors qu'est-ce qu'on peut avoir là-dedans? Oh, ah oui, le 5-7. Le 5-7 Hyper Beast, je l'avais oublié celui-là. Moi je veux ça, moi. Allez, on part sur ça. Allez, c'est parti, les gars. Oh là là, ça part direct. Oh, oh non, il était passé, je crois. Oh, bah on a une P19, P90, violet. Donc ça, c'est cool pour notre contrat d'échange. Oh, elle est pas si mal, hein. Elle est un peu contemporaine. Mais elle est stylée quand même. Alors, qu'est-ce qu'a dit la caisse de gants? USP Cyrex, il est bien. Famas aussi. Et après, ouais, le cut et tout. Les autres, je les trouve un peu moches. Allez, c'est parti, les gars. Ouah, on voit plein de couleurs. Oh, what the fuck, on voit plein de couleurs qui passent là. Ok. Ok, d'accord. C'est 75 d'auto. J'ai jamais utilisé cette arme de ma vie. Ok. Oh, pas dégueu. Ok. La Whitefire, alors le Nova et la K47, plutôt jolie. Le reste, dégueulasse, mon frère. C'est parti. Go, 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 go. Encore deux violets qui passent, nickel. Et on arrive sur un USP. Tension, ouais, 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 ouais. Oh, il est dégueulasse. Oh, cette caisse, je l'adore. Cette caisse, il y a plein de trucs que je trouve jolis. Le Glock, bah, la M81S, la M4A4. Le Save Edof qui est le plus beau Save Edof. Il n'y a aucun skin de Save Edof qui est aussi beau que celui-là. Et après, ouais, le reste, ils sont moyens, mais ils sont pas si dégueux que ça, quand même. On va dire que la proportion de beaux skins est à peu près égale à la proportion de skins dégueulasses. Bah tiens, c'est Swagon qui va ouvrir cette caisse, là. Hop. Bon, il me porte la poisse, je sais, mais bon, on n'y peut rien. Allez, clique dessus, sale bâtard. Hop. J'espère que tu vas me renvoyer un bon skin, toi, hein. Ouais, ouais, ouais. Oh, non. Oh, t'es un bâtard, Swagon. Je t'utilise plus jamais. Non, ça va. Ouais, ça va. Bon, Swagon, t'es à moitié pardonné. Allez, la dernière caisse, la saturation numéro 3, c'est parti. Go, 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 les potes. Alors, on peut avoir quoi? Ouais, ouais, de la merde. Ah non, P250. Et la M80S, plutôt jolie. Allez, c'est parti.
Go, go, go. Et là, imaginons, on a un cut. Le cut, là, maintenant. Maintenant. Oh non, le save est off. Putain, mais non, c'est pas celui-là que je voulais. Oh, dégueulasse. Putain, mais j'utilise jamais le save off. En plus, c'est de la merde. Pourquoi ils ont mis ça dans CSGO? Bon, on en a fini pour les caisses. C'est parti pour les contrats d'échange. On va s'amuser, il y en a tellement à faire. Allez, les premiers, on les rush parce que c'est de la merde, hein. Allez, hop, hop, ouais, poursuivre. Ouais, on s'en fout, d'habitude, on met ça. Soumettre le contrat. Plus vite, là. Waouh! 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 De la merde. Allez, second contrat d'armes de merde. Sélectionné pour l'échange. Hop, hop. Allez, hop, fais-moi rêver, mon frère. Hop. Ouais, 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 hop, voilà. 5-7 pot d'orange. Mais oui, c'est encore un pot d'orange, putain. Oh, j'ai tellement la poisse. À chaque fois que je suis en contrat d'échange avec des armes grises, j'ai un pot d'orange. Ça me casse les couilles, putain. Bon, allez, c'est parti pour les armes bleu clair cette fois-ci. Poursuivre, oui, nigger. Hop. Glock 18, pomme d'amour. Mais c'est les skins les plus courants. J'en ai 15 000. Putain. Allez, maintenant on utilise les armes bleu foncé et on va prendre tous les MP7 de Spalizio juste pour rire et pour voir ce que ça va nous donner. C'est parti, hop, voilà. Oh, on a 55. On avait 60 objets éligibles à l'échange, quoi. Pole position, c'est quoi? Oh, il est grave stylé. Oh, je le garde, je crois. Je sais pas. Il est grave stylé. Ok. Ah, on va mettre le CZ75 que je viens de gagner. Le Deagle, hop, Dual Berettas. Allez hop, on s'en bat les couilles. Grand Prix. Ah ouais, elle est stylée celle-là. Bon, elle est un peu défoncée, mais elle est stylée. Et voilà, allez hop. Tac, oui, soumettre le contrat, blablabla, plus vite. La flemme, mon frère. Encore un Grand Prix. D'accord. Hop, voilà, j'ai mis que des skins random, on va voir ce que ça donne. Hop, hop, voilà. Revolver R8, futuriste. Oh! Oh, il est grave stylé! Et là, il reste quelques vieux skins. On met poursuivre. Hop, voilà. C'est parti. Hein, P2000 pistolet? Il s'appelle vraiment P2000 pistolet? D'accord. Bon, il est un peu moche, hein. Il est temps d'effectuer le contrat d'échange ultime, les amis. Et est-ce que le CZ75 auto, on le garde? Allez, on le jette. Attendez, il vaut combien? Non, on s'en bat les couilles. On s'en bat les couilles. Ça se trouve, il vaut cher, on s'en bat les couilles, les frères. Allez, j'espère qu'on a un bon truc, là. On va faire ça, vous savez quoi? Hop. On va cacher parce que j'ai pas envie de me spoil. Et attention, soumettre le contrat. J'espère que vous aurez un bon truc, les amis. J'espère. En tout cas, je sais qu'il y a plein de skins roses que j'adore et tout. Mais même s'il y en a que j'adore et que je gagne, je serai obligé de vous le donner. Et c'est de la merde. Et c'est de la merde. Oh, je suis deg d'avoir fait tout ça pour ça. Oh non, oh non, 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 non. Attendez, attendez, c'est pas possible. Donc du coup, les amis, on se retrouve pour le petit concours. Donc, il y a eu Spalizio, Talcado, Reboot et Champoli qui ont participé. Je les ai numérotés de 1 à 4. Donc du coup, Spalizio 1, Talcado 2, Reboot 3 et Champoli 4. On va tirer un nombre au hasard entre 1 et 4. Et le gagnant repartira avec ce joli skin de merde. 3, 2, 1, hop. Et c'est 1. Et c'est Spalizio du coup qui gagne parce que je l'ai numéroté en 1 sur mon carnet. Eh bien, GG à toi Spalizio, merci pour... En plus, il a participé, il a mis que des MP7. Donc, je sais pas, il m'a donné des skins de merde, il reçoit des skins de merde. Lol, allez d'abord. Non, je rigole. Non, mais écoute, GG à toi Spalizio, je t'enverrai les skins, je t'enverrai le skin. J'espère que t'es pas trop deg. Et comme d'habitude, n'hésitez pas à m'envoyer vos skins. Vous pouvez m'envoyer 10 skins, comme vous pouvez m'envoyer un skin, vous serez quand même pris dans le concours. Pour les prochaines vidéos CSGO où vous pourrez tenter de gagner aussi un item rose. Et s'il y a beaucoup de participants, ça sera un item rouge du coup. Mais il faut vraiment beaucoup de participants ou beaucoup de gens qui me donnent beaucoup de skins tout simplement. Donc je compte sur vous pour m'envoyer vos skins. Et comme d'habitude les gens, pensez à commenter, à liker, à partager, c'est le plus important. Et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et moi je vous dis, c'était Oximoz pour vous servir. Allez, ciao ciao.